C'est sûr, c'est une victoire qui fait du bien. De toute manière, à chaque fois qu'on gagne, on est toujours heureux. Et puis aussi, on aspire à accrocher le haut de tableau. Donc, c'est une victoire qui nous fait du bien. C'est toujours particulier de renverser des situations comme ça. C'est pas tous les jours, quoi. C'est pas tous les jours, c'est vrai que c'est rare, mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Surtout qu'à un certain moment du match, on avait perdu la maîtrise du match. Donc, le fait de remporter ce match, je pense que on savoure plus. Vous avez senti que c'était possible? Bah, comme on a pu le constater, on est bien revenu au score. On n'a jamais rien lâché. Donc, un match, c'est 90 minutes. Donc, faut rien lâcher jusqu'au bout. Et là, on a su le prouver. La Bastia, où il va falloir avoir du répondant tactique, technique, mais aussi dans la tête. Bah après, comme chaque match, c'est sur tous les aspects que ça se dispute. Ça va pas être uniquement sur la maîtrise technique, mais ce match-là, ça sera sur tous les aspects. Faut être prêt tout de suite. Tout le temps. Bastia, c'est un match comme un autre pour vous? Bah, c'est une équipe différente, c'est sûr, mais après, c'est un match qu'on attaque de la même manière que les autres. On sait que ça va être difficile mercredi, mais on espère accrocher un bon résultat. Quelles ambitions vous avez justement pour ce match? Vous restez sur de bonnes performances à l'extérieur en général? Bon, on reste sur de bonnes performances et puis on est content des résultats qu'il y a en ce moment. Donc on espère continuer de cette façon. Même si vous n'avez plus gagné à l'extérieur depuis Metz? C'est vrai qu'on n'a pas gagné, mais bon, l'objectif est toujours de gagner, donc on va essayer d'y remédier. Ça change parce que j'ai un peu plus d'espace sur le couloir. Le jeu est pas mal basé dans l'axe, donc ça me permet d'apporter un peu plus offensivement. C'est différent. Après, on sait qu'on a souvent un temps de retard, mais après, vu qu'on est assez bien discipliné, on arrive à régler tout ça. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Bastia, justement? Alors, je pense que c'est une équipe qui va être très difficile à manœuvrer. On sait que c'est une équipe avec des très bons joueurs, surtout offensivement, mais aussi défensivement. Donc, on sait que ça va être difficile. C'est un stade où on a envie d'aller jouer. Tout le monde sait que c'est assez compliqué de jouer là-bas. Mais bon, je pense que c'est des bonnes ambiances à vivre, donc ça va être un bon match. On la sent justement, la pression du public là-bas. Bah, forcément, on la sent. On entend des choses, on subit des choses, mais bon, c'est ça qui est beau dans le football.